Hello à tous. Alors une petite vidéo encore dans le challenge. D'ailleurs, on arrive au bout du challenge bientôt. Donc abonnez-vous. Ça doit être là. Voilà, sur ma petite tête. Alors aujourd'hui, c'est vraiment une petite vidéo coup de gueule. Vraiment un petit côté ras-le-cul. Parce que j'ai eu pas mal d'échanges autour des presets qu'on peut soit acheter, soit trouver sur Lightroom. Alors les gratuits comme les payants. Et tout le monde dit oui, c'est le mal. Faut pas le faire. Faut pas en acheter. Faut pas travailler avec des presets déjà tout faits. Faut vraiment voilà. Alors ouais, voilà. Enfin, où est le mal quoi en fait? Il y a des gars qui ont bossé pour créer ces presets. Alors une chose qui est sûre, c'est que si vous travaillez avec ces préceptes sans en modifier ou sans en comprendre le fonctionnement, comme j'ai déjà dû le dire dans une autre vidéo, vraiment vous partez à côté des choses. L'essentiel, c'est d'arriver à comprendre comment fonctionnent ces préceptes, à comprendre comment vous pouvez vous les approprier et à comment vous allez pouvoir avancer avec. Je me doute que voilà, si vous faites une application bête et précise d'un preset que vous avez acheté, vous allez avoir les photos de Monsieur Tout-le-Monde, ça va être tout le temps la même chose, c'est vrai que c'est ridicule. Mais si vous prenez le temps voilà, de comprendre pourquoi il a mis de la clarté, pourquoi il a mis tel filtre dégradé, voilà, qu'est-ce que ça doit faire, pourquoi sur cette photo ça marche et pas sur une autre, voilà, là il y aura un réel intérêt. Mais c'est tout, je veux dire, arrêtez de dire que c'est le mal, arrêtez de dire qu'il faut pas, arrêtez de vouloir toujours penser que tout doit venir de vous, que tout doit être automatique. Vraiment, ça m'a bien saoulé parce que j'ai eu des mails, j'ai pas mal échangé avec des gens là-dessus et j'ai trouvé ça complètement ridicule parce que pour moi ce qui est important c'est ce que vous êtes capable de faire, même si vous avez à un moment donné putain le split frequency, d'accord, c'est bien quelqu'un qui l'a inventé, on s'en sert tous, après c'est la manière dont à l'intérieur on travaille, mais c'est le même principe, je veux dire c'est une action à la rigueur, donc peu importe, vous vous en servez, on s'en sert, tout va bien, donc voilà, c'est là-dessus où ça me gonfle un peu quoi. Donc coup de gueule passé. Voilà, j'avais juste envie de me faire plaisir aujourd'hui. Hop, comme vous pouvez voir, je vais shooter en fourré. Je sais pas si vous voyez derrière, voilà, hop. Donc, ça va être plutôt cool. Autre chose après, voilà, le challenge arrive relativement à son terme. On est bientôt au bout du mois de vidéos, de une vidéo par jour pendant un mois. Donc, je sais pas. Voilà, faites-moi un retour, dites-moi si ça vous intéresse, si je continue ou pas, si... voilà, si vous voulez plus de vidéos, même peut-être pas une vidéo tous les jours, mais beaucoup plus de vidéos dans la semaine, du même type, quoi, du truc que je fais avec mon téléphone rapidos, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous avez toujours le petit e-book à aller chercher, vous avez toujours les vidéos à regarder, enfin vous verrez tout dans la description, il y a plein de petites choses aussi relativement sympas. Voilà, je suis aussi en train de faire une grosse formation, voilà, je l'annonce, il y a un gros truc qui va sortir. Vous pouvez me rejoindre, allez, sur le groupe Votre Studio Photo sur Facebook. Allez-y, venez, il y aura des trucs un peu... voilà, cherche des ambassadeurs, cherche des gens qui ont envie de fonctionner avec moi là-dessus. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur le groupe Votre Studio Photo sur Facebook et à partager, à liker, à commenter les vidéos, cette vidéo et les autres. Et dites-moi, voilà, envoyez-moi vos questions, envoyez-moi des photos, envoyez-moi des tas de choses sur lesquelles je puisse voilà, avoir de la matière pour vous faire le plus de vidéos possible au lieu de vous faire une vidéo ou deux par semaine comme je faisais d'habitude. Allez, mais je vous remercie, je vous dis à bientôt, on partage, on like, on commente. Merci, à bientôt.